plus faire marche arrière. Ah, sérieux? Oh non. Tiens, regarde. La ferme. Vous êtes prêts? Plus que jamais. Alors c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans mon atelier secret. Si je vous ai choisi, c'est que vous êtes les meilleurs. La crème de la crème. Perso, je suis allergique au lactose. Non. Sérieux? On est vraiment les meilleurs? Non. En vérité, c'est qu'il n'y a que vous de dispo sur ces dates-là. Du moins, mon planning collait bien avec celui que vous avez chacun envoyé dans votre annonce sur Le Bon Coin. Chérie, tu viens manger? Ah! Mais chut, papa! Je t'avais dit de ne pas me déranger pendant que je travaillais! Putain, vivement qu'il se casse de la maison, celui-là. Ouais. C'est un... pote à moi. Mais pourquoi sommes-nous là? Moi j'étais sous un gros coup sur la 5ème. Une casse d'une friperie là. Et moi celui d'un vendeur de donuts ambulant. Bah quoi? J'adore les donuts. Oubliez tous vos projets. Même si... les donuts sont parfois tentants. Nous allons accomplir le casse du siècle. Nous allons cambrioler... aïe! Une usine de fabrication de monnaie. Salut beauté, moi c'est... Première règle, oubliez vos vrais noms. Il ne faut surtout pas qu'on puisse remonter aux autres si l'un d'entre nous se fait prendre. Pas d'infos veut dire... pas d'infos. Ok, Arsène. Mais comment savez-vous que... C'est écrit sur votre mallette à goûter, monsieur. Et merde. Crier. Maman, je t'avais dit de ranger ma boîte à goûter. Désolée, chérie. Bref, je vous ai choisi des noms de villes correspondant à votre personnalité. Voici donc vos nouveaux noms. Ben, vous ne nous les avez pas donnés. Ah si, vous êtes assis sur des enveloppes qui vous révéleront votre identité. Bah, comment il a fait pour la... Trop fort le mec. Frankfurt. Nice to meet you, Frankfurt. Moi c'est Osaka Kobe. Et moi c'est Petersburg, ça pète ça d'art. Buffalo. Cool. Warzazat. Ah c'est grave cool. Korgen. Ah fun mec. Rufek. Moi c'est Rufek. C'est quoi ce délire là? Quant à moi, ce sera le professeur. Ah oui, j'oubliais. Voici donc le plan. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Ceci est un cambriolage. Mais c'est quoi cette réaction de merde? En même temps, c'est toi qui leur as dit de pas s'inquiéter. Oh! Oh! Je répète, ceci est un cambriolage! Oh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah ben non, on est dans une fabrique, là, vieux... con celui-là. Allons attacher tout ça! Super. J'adore attacher. Je m'occupe des mecs. Une fois qu'ils seront tous attachés, vous pourrez passer à l'étape supérieure. Laquelle? Bon, nickel. Korgen, va chercher les sacs. Ok. Je veux plus un euro qui traîne. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est honteux. De toute façon, vous ne vous en sortirez pas. Surtout avec notre boss. Il est vaillant, courageux. Il nous sortira de là. Et vous, vous coopérez en prison.
rendre folle. Oh! Ok. Ok, elle a gagné. Attachez-la mieux que ça! Et qui est ce vaillant boss? Je répète, qui est ce vaillant boss? Ah bah merci, merci à tous. Mais c'est un mini pouce. Il est jeune et ambitieux. Mais il est très courageux. Il va vous... Mais la ferme, Monique! Non mais, elle exagère un peu, je vous assure. Oh non, désolé! Eh merde! Les flics vont arriver d'une seconde à l'autre. Vous êtes foutus! Et vous renvoyez la bande de balance. Ah bah merci, ça fait plaisir. Bon, allons gérer l'arrivée des flics. Quel est le topo, Rubin? Sur ça a été rasé en place publique. Ils l'ont fait défiler lui dans les rues de la ville. Une putain de marche de la honte. Tyrion est devenu main de la reine et là, la cité explose. Un truc de ouf. Ok, très bien. J'ai hâte de voir la nouvelle saison. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien d'inhabituel. Un casse de la fabrique de monnaie. Ok, très bien. Combien d'otages? Nigel? 17 et demi. 17 et demi? Y'a un gujat. Bon, j'ai buté le cul-de-jatte. Bah pourquoi? Foutez les boules. Les gars, y'a un problème, on est dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a à Pétersbourg? Eh ben c'est bien une usine de monnaie, mais y'a que des centimes. Bon, écoutez, les gars, c'est pas grave. On n'a qu'à prendre plus de sacs, hein? C'est encore sur moi que ça tombe. Oh, youpi! Vous pouvez voir sur votre droite le braquage de la fabrique de monnaie. Prodigieux, n'est-ce pas? J'ai compris. Je m'en occupe. Eh boss, cette journée, vous allez nous la payer ou vous allez faire passer en RTT? Mais tu peux rêver, toi! Il travaille chez nous, lui? Oui, depuis 15 ans, monsieur. Ah. En tout cas, monsieur, si on devait mourir aujourd'hui, sachez que j'ai été très heureuse de travailler pour vous. Pourquoi il me parle, elle? En tout cas... D'être attaché comme ça, ça... Oh, ça m'excite. C'est un côté si sexuel. Chut! Nique, personne ne doit savoir. Que vous fournez qu'ensemble? Hein? Ben, c'est-à-dire que vous êtes tellement discret quand vous... Enfin, vous voyez, quoi. Mais non, pas du tout, expliquez-vous. Ben, vous savez, quand vous êtes à terme, ça fait un peu un truc du genre... Non mais oh! Ah non, moi je dirais plutôt que ça fait... Non mais ça va aller là? Ah non, moi je dirais plutôt que ça fait... Merde. Si ça peut vous rassurer, je fais le même bruit que vous. On a essayé de pénétrer les lieux? On a peur pour les otages. Mais on s'en fout de ces putains d'otages! Faut régler ça vite! J'ai courage ce soir à 18h. Madame, permettez-moi d'assister. Nigel, quand on a un prénom aussi débile que le vôtre, on n'insiste pas. Sauf auprès d'état civil, pour changer de nom. Il y a des enfants. Mais j'en ai rien à foutre, des gosses! Bon, annulez l'opération d'infiltration. Excusez-moi, madame. Je cherche ma fille. Mais maman, c'est moi. Ah, oh, c'est vrai. Ça s'arrange pas, ton Alzheimer, toi, hein? J'ai Alzheimer, moi? J'avais oublié. Bah, du coup, oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a, maman? Ton fils fait des siennes. Il pleure, mais je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'arrive, mon lapin? Mamie m'a oublié sur une aire d'autoroute. Et un camion est arrivé un peu vite quand je cherchais mamie, puis... Chérie, qu'est-ce que je t'ai répété des centaines de fois? Quand un véhicule arrive droit sur moi, je me mets dans la position du fœtus. Et? Et je cours vers un adulte, sauf si c'est un homme, aux cheveux longs ou avec un long manteau. Bon, c'est déjà moins pire que le TER de la semaine dernière. Bon, maman, t'emmèneras quand même Léo à l'hôpital? Je le trouve un peu palo. Ok, chef. Bon, il n'y a plus qu'à se souvenir où se trouve l'hôpital et qui est ce Léon.
Mais mamie! Bon, vous savez, hein, on n'est pas des méchants. On est juste pas gentils. Les Rova. C'est formidable, c'est une vraie expérience que vous vivez là, les enfants. Elle est toujours autant insupportable, celle-là? Eh oui, malheureusement. Au bout d'un moment, on n'y fait plus attention. Mais oui, vous verrez. Désespérante et imperturbable. Il faut toujours, oui. Mais la ferme, on va les énerver, là. On va tous se faire buter. Espérons que ce soit toi d'abord. J'ai pas envie de crever ici, moi. De toute façon, tu t'en fous, t'as pas d'amis? Bah si, d'abord, il y a... Et puis, CQFD. Et moi, qui voulais faire carrière dans la télé-réalité. Et moi, blogueuse mode et crack. Et moi, vous aviez devant vous la future Paris Hilton. Et moi, escort girl. Depuis Pretty Woman, je kiffe ce taf. Moi, je vise le poste de testeuse de matelas et sommier. Devant tant d'ambition, je me dois de vous sauver. Je vais aller risquer ma vie pour aller leur voler une arme. Et surtout, ne me retenez pas. Bon bah super, hein. Bon bah du coup j'y vais. Putain, mais quelle bande de petits. Waouh, qu'est-ce qu'il est courageux ce mec. Un exemple type quoi. Ouais, tu parles, un bolos quoi. Remarquez, on s'en fout s'il se fait buter. C'est clair, on courrait dans une série espagnole, là j'adore. Une fois que vous aurez activé l'alarme, ils croiront qu'il s'agira d'un simple cambriolage. Vous aurez tout le temps de lancer la création de pièces. Chef, on a un des otages qui souffre d'un syndrome de Stockholm. Hmm, intéressant. Fais entrer. J'espère qu'elle est mignonne au moins. Bonsoir, Frankfurt. Il y a méprise, je suis tout émoussillé. Buffalo ? Buffalo ! Énorme. De l'adrénaline à donf, j'adore. Oui, ça va être ouf. En tout cas, le plan est simple. Carrément, ça va le faire. Ça fait peur quand même. Ouais, moi j'ai pas envie de finir en descente de lit. Hein. Mais non, ça va bien se passer. Ou pas. Ou pas. Je le sens mal. Ouais, moi aussi. Quoi? C'est pas la stratégie qui me fait peur, ce guignol de stratège là. Il s'est fait juste suivre les conseils à la lettre. Moi, jamais été très bonne en orthographe, alors bon... Non mais, il est idiot votre plan. Mais non, pourquoi tu dis ça? Oui, qu'est-ce que t'en sais d'ailleurs, gamine? Mon père est ministre, alors les coups foireux, ça le connaît. Hein. Et celui-là, il pue. Ah bah c'est ce qu'on verra, hein. Ils arrivent, maniez-vous, Mayday, Mayday. Moi, c'est Rodrigo, tête de nœud. Mais il en manque un, là. Ah bon? Vous êtes sûr? Mais non, je vois pas de quoi vous voulez parler. Mais si, le petit con, là! Ah, le boss! Il est... Oh non, mais quelle bande de bouffons! Il est parti aux... toilettes. Une envie pressante, ça vous connaît? Oui, une énorme gastro. Une épouvantable gastro. Bref, c'est la merde. Bah, du coup, il a dû se passer de votre permission. Hein. Mais bon, il ne devrait plus tarder, maintenant. Vous assistez à un cours d'improvisation, les enfants. Mais quelle chance vous avez aujourd'hui! Je vous l'avais dit,
idée de merde. Une pression, s'il vous plaît. Ah, ça va mieux. Un café, s'il vous plaît. Vous voulez ma batterie externe? Je me promène jamais sans. Merci. Même si je trouve ça un peu bizarre de se balader avec... Ma batterie externe? Non. Vos chaussettes niquées. Enfin bon, merci beaucoup. Je m'appelle Vincent. Cantal. Non, moi c'est vraiment Vincent. Oui, et moi c'est Cantal. Ah oui, ok. Bon, bah, si vous voulez me remercier, peut-être qu'on ira manger un bout ensemble. Non, désolé, jamais le premier soir. C'est une question d'hygiène. Par contre, j'ai rien contre un repas. Nous interrompons vos programmes suite à la prise d'otage impressionnante à la fabrication de monnaie. Ça a l'air sérieux, là. Après plusieurs heures de... Non, ce sont des vrais crétins, rien de bien grave. ...de la fabrique de monnaie par un groupe... Ah bon ? ...de terroristes. Ça m'a l'air d'être de vrais pros. Mais non, ce sont des Mickey. N'importe quoi ! Ça a l'air des délinquants qui s'y connaissent très bien et super intelligents. Et dès ce soir, ils seront derrière les barreaux. Comment ça? Nos agents sont en train de creuser un trou dans le jardin des voisins. Ils vont les surprendre par derrière. On appelle ça une pseudo-judiciaire dans le jargon. Ah, je dois y aller. J'ai un compétent. Vraiment bizarre. Ces chaussettes Mickey. Oh, hé, votre batterie externe! Bon, je dois y aller. Je viens d'avoir le professeur au téléphone. Les flics ont pas vu le micro caché sur la batterie. On les a sur écoute. Non. Sérieux? Le patron est devenu une patronne? La ferme, Rufek. Et puis, puisque tu ne sais apparemment pas quoi faire, va tuer un otage. Ça calmera l'opération d'infiltration. Vous voulez que je tue quelqu'un? Oui, oui. La Monique. Elle a une histoire avec le boss. Ça devrait calmer ses envies d'héroïsme. Et je peux pas. C'est un ordre! Bon, c'est vous la patronne, hein? Oh, j'en peux plus. Que c'est lourd. Vivement les vacances. Oui, et regarde, j'ai pris une poignée de pièces de 2 centimes. Si jamais ça foire, que je puisse voir venir les choses, tu vois. Oh là, mais si tu fais gauler, Frankfurt va te tuer. On se fait chier ici. Y'a aucun mec mignon. Bah merci, ça fait plaisir. C'est clair. Bon, Warzazat, tu te calmes. On est là pour le boulot, ok? Oh, des Chupa Chups. Mon père va apprendre ce que vous nous avez fait subir, il va... Il quoi? Il va baisser le montant de tes allocs. C'est ballot, j'ai pas de maison, je vis en caravane. Monique, tu me suis? Oh non, mon redoudou, la laisse pas m'emmener. Alors, je vous préviens, hein, si vous la touchez... Oui? Je vous ferai comprendre que j'en ai rien à foutre. Chacun pour sa gueule. Super. Merci. Putain, mec, tu sais parler aux gonzesses, toi. T'assures, mec. Façon de parler. S'il vous plaît, non. Ne me tuez pas. Mais j'ai pas le choix. Mais on a tous le choix. D'aimer sa vie, ou pas. De faire sa route. De faire son choix. Waouh. C'est super profond, ce que tu me dis, là. Ça pourrait faire une super chanson, tiens. Ah ouais? Ouais, et l'air ce serait un truc du genre nanana 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 nanana. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. T'es trop fort. Ah ouais? Et ça m'est venu comme ça là. Tu sais quoi? Je vais pas te tuer. Je vais te planquer et on va monter notre boîte. On va bosser ensemble. Toi tu feras les paroles et moi je ferai les musiques. On va cartonner. Allez, viens, je vais te planquer.
C'est quoi, j'avais pensé à un air aussi. C'était na 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 na. C'est à croire qu'ils ont toujours une longueur d'avance sur nous. L'opération d'infiltration est loupée. Faut livreur de pizza, loupé. Cheval de Troie, loupé. Comment font-ils? Bonjour. Faites-vous dans une enceinte sécurisée. Non, laisse. Il est avec moi. Oh. Ça va, Vincent? Ouais. À mon tour d'aller commander une pression. Ce soir, c'est moi qui régale. Je vous avais quel nom? Monsieur Tim. Allez, je vais vous laisser travailler. Il est trop hot, ce mec. Cantal, je croyais que t'avais arrêté les pressions. Je t'assure, j'ai essayé. Cantal, vous avez encore de la visite. Chérie, j'ai des soucis. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Sans savoir, je me suis retrouvée devant l'hôpital. Et ce sale gosse me suivait. Et il m'insulte de m'aimer depuis tout à l'heure. Même mes coups de sac à main ne le font pas fuir. Je vais porter plainte, ma chérie. Mais maman, c'est ton petit-fils. Viens par là, mon ange. Maman, je t'ai écouté. Quand mémé me frappait trop fort, je me suis mise dans la position fœtus. C'est bien, mon ange. Mais je fais quoi, tant elle me court après avec un chalumeau? Il n'y a pas grand-chose à faire, juste attendre que mamie m'a retrouvé la mémoire. D'accord, maman. Bisous, je t'aime. Mindjul, vous êtes mon assistante, non? Ouais, mon fils a besoin d'un câlin. Oui, pourquoi pas? Je suis pas trop fan de la bave. Ah. Oh, bonjour, madame. Je cherche ma chambre. Vous voudrez bien m'aider? Bon, on est prêt, il n'y a plus qu'à partir. Pétersbourg, on a ramassé combien? Nous avons réussi à créer 1 million de centimes. Ah ouais? Pff, ils sont collecteurs, ceux-là. Alors, ce qui fait 10 000 euros à diviser par 8. Alors, si on enlève les impôts, la taxe, les TVA, eh bien, il reste 467 euros par personne. Heureusement que j'ai assuré mes arrières. Bon, ben, il n'y a plus qu'à partir. Je vais chercher les costumes. Et nous, on devient quoi? On va vous libérer. Les enfants, nous allons participer à un délit de fuite, c'est tout simplement dingue! Rufek, tu lui as fait la peau à la Monique? Oui, oui. Et le sac là, c'est quoi? Oh, des affaires perso, brosse à dents, tout le temps, tout le monde. Non, mais ils y croient vraiment, vous pensez? Ils sont pathétiques. Même ma mère est plus délinquante qu'eux. Mais bon, je préfère être là qu'à une journée de cours. Oui, allô? Cantal? Allô? Nous allons libérer les otages. Que voulez-vous? Quelles sont vos conditions? Un jet? Une rançon de 3 millions d'euros pour Madison Parker? On est prêt à tout accepter. Oh, oui, 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 nous voulons tout ça. Trop bien! Ce sont des bolos. Et je souhaiterais aussi que vous dansiez la Macarena. Comment ça? Oui, sans vous arrêter. Pendant 5 minutes. Ok. Juré. Salaud! Pédale! Ta merde! Ah bah elle a bien mon chien. Non. Jurez-moi. Ah oui, excusez-moi. Et oui, je vous le jure. Vous n'avez pas traché. C'est vraiment dégueu. Je m'en occupe. Hein. C'est parti. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need. Boss, il n'y a plus personne dans les locaux. Ils sont partis avec tous les centimes. Ils ont dû partir avec les otages. Quelqu'un de l'extérieur devait être mèche avec eux. Et pas forcément un coiffeur. On s'est fait niquer en beauté. En plus, on n'a plus un centime. Attends, répète ça. On n'a plus un centime.
Je m'appelle Vincent. Monsieur Tim, Vincent. Monsieur Tim, Vincent. Tim, Vincent. Tim. Oh putain! Vincent! Tim! Mais vous ne les prenez pas en filiature? Je peux pas, Nigel. J'ai juré. J'ai juré cracher. Ah! Vous voilà enfin. J'en étais à ma troisième pression. Ne m'arrêtez pas, madame l'agent. Je me sens pas très bien. Je vais aller au WC. Je suis à court de billets, je vous laisse payer l'addition. Oh le code.